Yo mes frérots, c'est JCK, mercredi choc à pic. Comme d'habitude, j'espère que vous allez tous mieux que moi. Ah, très clairement, oh oui, oh bah là les gars, pour ceux qui me suivent sur Instagram, hein, oh bah, t'inquiète. Avec mon ami Dafalgan, ah bah oui, il faut ce qu'il faut les gars. Une gastro-odontologie. Alors celle-là les gars, j'ai envie de vous dire. Honnêtement, elle était pas mal, hein. Oh, je suis assez dégueulasse partout, tout se passe bien, c'est fièvre. Là, j'ai mal aux épaules tellement que j'ai dégueulé, et puis, ben voilà quoi. Une horreur. Bref, je vais vous passer tous les détails, hein. Quand même, hein, quand même. Mais vous, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Alors apparemment, ma Subaru n'est pas mauvaise. Faut simplement l'augmenter. Les pièces perf, on les gagne, les protos, on les gagne bien après. Donc ça, c'est ce que j'ai pu lire également dans l'espace commentaire. Je vais garder ma 2.6. Là, on est en 7 et là, on est en 7. Donc il faudra qu'on passe une voiture en 8. Parce que je pense qu'il va encore falloir du 8, ouais, 8, 7, rencontre terminée, 8, 7. Ok, et eh ben on va aller voir si on peut passer une voiture en 8. Mais ah oui, non, mais une horreur, les gars. Pa, 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 pa. Ah, c'était mais. J'ai un bug avec ma manette, les gars. Vous avez vu là, c'est descendu d'un coup. C'est le bug de la manette. Mais une nuit les gars, mais une journée, mais le non, ah non, c'est pas celle-là, merde, ah fuck, la 206, est-ce que la 206 on peut la mettre en 8? Parce que le but c'est de me prendre du pognon là. Hein, aucune amélioration disponible, prends part de cette course pour gagner. Ok, donc je suis pas totalement en forme les gars, je vous le dis, pas totalement en forme, donc excusez-moi hein, si voilà hein. Mais bon, on va pas, c'est pas grave, on fait pas la 8, on va faire la 7, let's go, en sprint, donc en sprint pour eux, alors si je me trompe pas, bah c'est du dry, ouais. Mais ouais, attendez, je prends cette infâme potion, ah putain. Ah putain. Je suis obligé. Je suis obligé les gars parce que ça fait 6 heures que j'en ai pris un. Donc du coup j'en prends un tous les 6 heures, tu vois. Pour éviter d'avoir re de la fièvre. Parce que. Alors les gars, c'est pas du tout amusant. Hein. Putain de merde. Respect. Je Ouais. savais que tu reviendrais. Je savais que tu Mais reviendrais. si je cherchais une caisse, je prendrais la tienne. Ouais. Alors, on court pour combien? Alors, on va courir pour 3000 E. Ok, j'accepte. Vas-y, il l'accepte. Ça, c'est un frérot, ça. Ça, c'est un frérot. Ah ouais, mais je sais pas en ce moment ce qu'il y a, parce que tout le monde me dit, ouais, j'ai eu la grippe, elle m'a couché. Ouais, j'ai eu la gastro, c'était un enfer. Mais il se passe quoi en ce moment-là? Que se passe-t-il? J'aimerais savoir, moi. J'ai oublié d'accélérer. Par exemple, Merci pour l'adrénaline, mec. ils m'ont mis une pilule. Attention. J'ai oublié de passer la dernière vitesse. J'ai oublié de passer à la cinquième. Par exemple, il m'a mis une pilule, l'autre avec sa soube. Incroyable. Allez. Putain, on n'a pas J'avais un gagné, quoi. chapeau, ce salaud. Elle bombarde, ça. Ça, c'est une prezza, lui, là. Au Biggie. Putain, en plus, c'est le Biggie. Biggie. Eh, c'est Biggie. Putain, je suis deg. Je pensais qu'on avait tellement gagné un peu de Dis-moi thunes, comment là. t'as fait.
Bon, on Avec gagne des nerfs que 6 000, tu moi. vois. C'est déjà pas de la merde, mais toujours ça de gagner, j'ai envie de te dire. Bon, allez, le Biggie, on s'en fout. Entretien, oui, 500 pour avoir fait un run. Ça, je trouve que quand même un peu cher payé, hein. Ah, mais on n'a pas le noce au level 2. Ce qui expliquerait ceci. On n'avait pas le noce. Ok, bon, bah voilà. Encore une fois, je suis un crétin, quoi. Alors, donc il organise. Allez, let's go. Merde. Donc, hop. En fait, on va pas organiser. Je pense que le mieux, c'est de faire ça. Mais putain, 8, j'ai que dalle. Vas-y, sprint. Sprint, on a elle là. Obligatoirement, récompense 13 000 balles, les gars. Participer. Ok, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, let's go. Là, moi, il me faut de la thune, là. Il faut de la thune, les gars. Il faut de la thune. Il faut qu'on s'achète autre chose. Il faut qu'on s'achète autre chose. On a le plus de chevaux. Donc, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on fait? On va parier. On va parier avec qui, les gars? Putain, il n'y a pas ce bon vieux Biggie. Mise. Vas-y, on va parier ça avec l'éclipse. Non, c'est une éclipse qu'elle avait. 209 dans l'arène. Je suis Maria. Et Ouais. ta caisse d'arène. Maria, de Bon, Portugal. je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Miss préférée, 15 000? Je sens que je vais faire une connerie là. Mais vas-y, 12 000. Et maintenant, on a la liste des contacts. Vas-y, Si, vas-y. on va courir, seigneur. Allez, vas-y, allez, allez, allez! Allez, Maria là! Allez! Qu'est-ce que j'ai mal au dos, putain. Ça, c'est d'avoir dégueulé, ça. C'est d'avoir dégueulé. Putain. Et normalement, je vais rien faire alors. Je voulais rien faire. C'est qu'on va gagner? Bon déjà, le pari il est déjà gagné. J'aurai ma revanche un jour. Donc, on a 15 000. Oh, mais c'est qu'on va prendre un paquet de pognon là. Si tout se passe bien, si on est correct, bah, il va falloir améliorer la voiture. En termes tuning, on va faire du tuning un petit peu. Oh merde, merde, non, non! Putain, jamais regardé derrière soi. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'aspi. Parce que l'aspi, alors là. N'attrape pas le melon pour... Pourquoi tu cries? Pourquoi elle crie? Allez! Allez, let's go! Par exemple, le noce est un peu abusé, la flamme du noce. Hein. Très clairement. N'attrape pas le melon pour autant. Ah, en plus, elle a fini dernière. Ah bah bravo. À l'autre, elle a organisé un truc. Elle s'est pris une branlée. Du Je dois monstre, avoir quoi. un petit secret sous le capot. Ah, il n'y a pas que sous le capot qu'il y a un petit secret, Maria. Biggie, on a gagné. Ça, c'était un super sprint. Voilà. Ah putain. On a gagné un. Ok, bon. Maria n'a pas Cette gagné collection grand-chose. doit valoir. T'es un vrai requin quand l'enjeu t'intéresse. Ben ouais, je sais, je suis un vrai requin. Alors, entretien, oui. Atelier, non. Non, non, non. Personnalisation, voilà. Alors. Hey, ça coûte si cher. Vas-y, tu sais quoi? On va. Il faut qu'on améliore un peu pour le cool, tu vois. Parce que nous, on est des mecs cool, les gars. On est des mecs cool. Faut voir le petit Momo, là. Momo. Momo. T'as vraiment les trucs à l'ancienne, quoi. T'achetais les magazines ADDX. En plus, t'avais un magazine ADDX, t'avais toujours un DVD de cul dedans. Tu vois, où il y avait des meufs qui se trémoussaient. Ah bah, j'ai envie de te. Ah bah à la fin j'avais bien compris qu'il fallait pas acheter le DVD pour regarder les voitures qu'il y avait dedans. Hein. Bah oui, il fallait cliquer sur le moins de 18. Hein. Je te cache pas que bon, hein, disons que j'étais quand même assez friand de ces choses-là, quoi.
Alors je disais, maman, tu peux m'acheter le nouveau magazine? Ah oui. Tu regardais pas, ouais, c'est des trucs de voiture, ouais. Si tu savais, maman, ce qui s'est passé sur ces magazines de voiture. Je te jure. Ah putain. Ah, c'est. Ah, t'es pas luché, hein. Bah, t'as tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bien évidemment que oui. Ah, on est tous pareils, hein. On est tous pareils. Peinture de base. Hey. Hey. Putain, mais le problème, c'est que je vois pas les mêmes couleurs que vous. Putain. Vas-y, tu sais quoi, moi j'y laisse comme ça, parce qu'à chaque fois, je prends pas les mêmes couleurs. Donc, après, on va me dire, ah, mais non, cette couleur-là. Et c'est bon, je sais. Casse pas la tête. 7, 8, on n'a jamais de 6. Participer à davantage de courses avec une voiture en jeu. Mais. Pardon? Ça, on a gagné. Vas-y, on rejoint l'épreuve, hein. On rejoint l'épreuve, hein. Putain, catégorie 1, tu veux que je cours avec quoi là? Une Ferrari, je peux rien faire là. Putain, aujourd'hui les gars, en plus c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'est chiant cette merde. Bah moi c'est simple, il y a Tu veux me donner une autre chance? R. Ouais, je vais te Super. donner une autre Tu chance mises mon quoi? frérot. Je mise... Vas-y, je mise 3005. Ok, j'accepte. T'as de l'argent à perdre, toi. Mais ouais, c'est la Saint-Valentin. C'est vraiment le pire truc, la Saint-Valentin, les gars. Bon, j'en ai déjà parlé, hein, de ce que j'ai pu faire. Maintenant, il n'y a rien. Rien à foutre. La Saint-Valentin, les gars. Ah, il y en a des. Ils vont faire la Saint-Valentin, c'est simplement pour espérer de tirer un coup. Hein. Ah, pas se mentir, hein. Oui, le Et nom. pour ne pas tirer un coup. Ah, ça, c'est ça. Moi, j'en connais des mecs comme ça. Ah, ça sort le grand jeu, ça achète des trucs à 3000 balles, mais au final, hein, ça fait rien. Hein. Ça se branle et puis c'est tout. Hein. T'es du commercial après, les gars. T'as pas besoin Si de. j'avais un chapeau, je te saluerais. Ouais, je sais. T'as pas besoin d'un jour spécial pour dire à la personne avec qui tu vis que tu l'aimes, quoi. Bah, j'ai connu, ben, j'ai compris bien après. Hein. Mais bon. J'ai compris bien Si j'avais après. un chapeau. Après avoir fait des erreurs, tu vois, par avoir acheté des conneries à gauche, à droite, tout ça pour satisfaire une Dis-moi pouffe. comment t'as fait. T'as été meilleur que moi. Ah, tu sais, j'étais meilleur que toi. Ouais. Ok. Ça, c'était un super sprint. Un jour, je vais te la gagner. C'était un. De toute façon, on peut passer, de toute façon, ils disent tout le temps la même chose. C'est ça qui est dommage avec ce jeu-là, c'est qu'ils disent tout le temps la même chose, quoi. T'as pas, t'as pas un truc qui change, quoi. Pas de voiture publique. Hein? Public, c'est pas de voiture. Seulement. Ah, je peux peut-être envoyer mon enculé de pote, là. Ou à moins qu'on achète une voiture, qu'on la mette en 8. C'est pas mal cette idée là, les gars, non? Vas-y, j'ai envie d'acheter une Clio. Vas-y, j'ai envie d'acheter une Clio là. Mais putain, la manette là. Neuve, neuve en excellent état. Alors, neuve, excellente, 18 000 balles. Mais putain de manette là. Et la deuxième, neuve, excellent état. Mais pourquoi là, un chevaux d'écart? Non, là, y a... Non, alors, je suis complètement con. La petite Golf? Ah non. Non, les Golf, on a trop ciré ça. Allez, vas-y, on se paye une petite Clio, les gars. Une petite Clio pour se faire plaisir. On met le noce. On s'amuse. Et puis voilà, tu vois, atelier. Voilà, la petite Clio. Ah, elle est magnifique.
Non mais faut regarder ça les gars, faut regarder ça. Oh là là là, oh putain c'est quoi ces trous de nez qu'ils lui ont fait là? Oh là 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 là, ça c'est beau quoi. Ça c'est du tuning comme on l'aime les gars. Ça c'est même plus du ADDX les gars. Ça c'est... C'était incroyable, putain mais... Qu'est-ce que j'aimerais revenir à cette époque-là? Qu'est-ce que j'aimerais ça? Ok. Vas-y. Hein. Par exemple, on va mettre du noce, peut-être quand même, un petit peu. Parce que sans noce, je vais pas aller très très loin. Hein? Non? Ah bah d'accord. D'accord. Ça, c'est pareil. On va te foutre ça 200 chevaux à fond. Hein. Je pense que c'est le peut-être le mieux. Accélération, vitesse. Je pense que le mieux c'est de les mettre là, vu qu'on a 200 chevaux à peine. Ah, ça, oh putain, la vieille. Oh la vieille ligne rectangle, mon gars! Hop, on va te rabaisser ça en mode turc. Ah, j'adore les Turcs, ce qu'ils font avec les deux. La Turquie, les gars, c'est un pays, il est incroyable. En termes de caisse, les mecs. Ils prennent des 106, des Clio, ils te les rabaissent au max, ils font un travail incroyable. Et nous, Français, ben non, on dit que ces voitures-là, c'est des voitures de merde. Tu vois. C'est beau, hein, quand même, hein, d'être aussi con. Tu vois. Nous, t'as une voiture, tu vois, t'as une voiture comme ça, tout le monde dira voiture de merde, etc., etc. Mais dans les autres pays, les gars, ça se passe pas comme ça. Dans les autres pays, ils font avec ce qu'ils ont, quoi. Ils sont peut-être un peu moins rouges, moins riches ou je sais pas quoi, tu vois. On va parier avec notre bon vieux Biggie. Eh, bonhomme, vraiment désolé pour cette course, tu sais. Ouais, bonhomme. Eh bien, Je crois que je vais aller lui voler bon. sa Mazda après. J'ai envie de lui piquer sa Mazda. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oh, c'est dingue. Allez, mon Biggie, on va se foutre sur la gueule. Mais ouais, en fait, en France, et c'est réel, hein, moi j'ai des potes qui sont réellement dans le rasseau, dans toutes ces choses-là, tu vois. Et j'en ai un, particulièrement mon frérot, tu vois, où il arrête en fait. En fait, il arrête les rasseaux. Parce qu'en fait, il dit, oh, c'est plus comme avant, en fait. Au départ, c'était bien. Puis maintenant, en fait, c'est devenu... Si t'as pas une Golf 7R, t'es nul. Si t'as pas une M3, t'es nul. Si t'as pas une M4, t'es nul. Et en fait, tous ceux qui viennent avec des voitures comme des Clio, pas forcément tuning à la mort, Jackie et tout, des trucs normaux. Tu vois, des trucs normaux, allez, une petite Clio RS et tout. Bah en fait, ils sont mal vus, tu vois. Ouais, les Françaises, les nanani. Ouais, c'est bon, quoi. Même moi, je peux plus entendre. Le pire, je crois que c'est les kikous, j'appelle ça, parce qu'on va revenir à l'école, on va revenir à l'époque des gens Kevin qui coulolent, tu vois. Mais moi, je peux pas. Je supporte plus, les gars. Je supporte plus. C'est quoi la passion d'automobile, elle est partout, les gars. Après, voilà, t'en as des qui aiment bien foutre le bordel. Bah, ils foutent le bordel, tu vois, avec leur voiture. Ils font ce qu'ils veulent, en vrai. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Même dans les rassos, tu vois. Les rassos, t'as les rassos statiques et t'as les rassos où ça bouge, où ça burn, où ça machin. Moi, j'aime bien ça, tu vois. Mais maintenant, c'est trop. Ouais. C'est pour ça que moi, j'en fais pas. Tu vois. Et pourtant, je pourrais, hein. Je pourrais aller avec un gars que je connais, tu vois. Hop, un dimanche, un machin. Mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien, les gars. Ça ne sert à rien. Ils sont tous là en train de se. Ouais, en train de se la raconter. Eh, moi, c'est ceci, et puis ceci. Puis ta merguez, elle freine pas dans les virages. Hein, mais déjà. Tu sais, c'est tous des Sébastien Loeb. C'est tous des Schumacher. C'est. Non, mais. C'est tous des Solberg. C'est tout. Non, mais. Franchement. Moi, je comprends, tu vois, le gars que je connais, tu vois, avec qui je suis très souvent, tel est une 7 GTI. Tel, bon, il l'avait mis des. Tel, il l'avait pas, elle n'était pas tuning, tu vois. Elle était comme il fallait, tu vois. Il avait fait 2-3 rajouts, les lignes à cras, les machins, les ceci, cela. Il a tout enlevé. Tout!
Et elle dit, c'est bon, en fait, t'as plus d'originalité, en fait. Et lui, ça fait un moment, hein, bien avant la mode de tout ça. Hein. C'est pour ça, moi, ça. Ouais. Puis t'as que des embrouilles, t'as que des trucs comme ça, tu sais. C'est. Je trouve ça dommage. C'est pour ça, moi, ça m'intéresse pas d'entendre de parler automobile en fait avec des gens sur des rassos. Bon, déjà parce que là, j'ai aucune voiture à mettre sur un rasso, tu vois. Mais tu les écoutes, le pire, je crois que c'est sur TikTok, les gars. Mais TikTok, Instagram, t'as des mecs, t'as l'impression réellement, tu vois, c'est. Elle chante bien en tout cas la petite Clio là. C'est. Ouais, c'est ridicule. Pour moi, c'est ridicule au possible, tu vois. Mec, ouais, personne me suit dans les virages. Ouais, j'ai posé une BM dans les virages. Ouais, j'ai posé. Ouais. T'as posé aussi une Ferrari sur l'autoroute à 2,30. Oui. Avec un moteur d'origine, avec un châssis d'origine, oui. Pour ça que moi, je parle pas trop méca, machin, et tout ça. En fait, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est la beauté des voitures, c'est s'amuser, c'est ça, tu vois, des voitures pour avoir des anecdotes, des conneries comme ça. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle quelque chose de. Ça, c'est parler entre passionnés, tu vois. Mais de là à dire, ah, ça c'est de la merde! Ah, ça c'est de la. Ah, ta voiture de la merde! Allez, vas-y, casse-toi. Cassez-vous. Et parmi vous, peut-être qu'il y en a certains qui vont en rasso et tout. Et je vous invite à me dire réellement comment ça se passe. Mais la réalité, moi, je veux pas dire que je la connais. Mais Tout on la ça, voit, c'est quoi. la faute au péché d'orgueil. On apprend tous les jours, hein? Putain, mais il me fait penser à. Et me fait peur, mon Biggie, là. Mais ça vous fait pas penser à un dessin animé pour les plus vieux de mon âge, là, et qu'ont 30 et quelques années. Il vous fait pas penser à un personnage d'un dessin animé, d'un truc comme ça? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, le bon vieux Biggie, là? Oh putain! Sur la piste, mec. Pas l'impression que ça monte Ouais, beaucoup quand t'es même, un. hein. Putain, on a cogné les murs et on n'a rien à payer, ça c'est beau. Ça c'est beau. Allez, let's go, on continue. Honnêtement, je m'en bats les couilles d'organiser des courses. Moi, ce que je veux, c'est conduire. Avec ma 206. Oh putain. Oh putain. Alors là, les gars, j'ai pas de noces. Je crois qu'on s'est aventuré dans un truc pas forcément très très. Putain, Biggie par exemple, il a sorti la Impreza. L'intégrale. L'Integra, pardon. Bizarre. Allez, viens là, mon vieux TK, là, que Vous je nous donnez une te. chance de retrouver notre fille. Eh, si je cherchais une caisse, je prendrais la tienne. Bah, Alors, je on court sais, ouais. pour combien? Bah, on va courir pour 3000 balles. Ok, j'accepte. Allez, let's go, on y va, mon frérot. Ça, c'est un truc comme ça aussi qu'il nous aurait fallu dans Need for Speed. D'ailleurs, en parlant de ça, on va parler, les gars. On va parler un tout petit peu. Je vous le dis à la 23e minute, j'aurais dû commencer depuis bien longtemps. J'ai appris qu'il y avait des créateurs de contenu qui étaient chez EA, là, au moment où on se parle. Et écoutez-moi bien, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est les Black Panta. J'ai pas de noces, Biggie. Non, Biggie. Non. Non, Biggie. Biggie, il a du noce. Salaud de Biggie, va. Ah, il y a des 2-3. Ils sont là pour alors. C'est pour le prochain NFS, apparemment. Et surtout, le prochain NFS Toujours où. là, mec. Du contenu sur Unbound, tu vois, on sait pas J'ai trop. pris une leçon. Il y a à peu près deux trois petites choses qui sont pas sorties, mais qu'on fuité.
sur un canal, un canal, on va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est toujours les mêmes quoi. T'es pas encore au top. À plus. Quoi, pari pour perdu? l'adrénaline, mec. Quoi, pari perdu? Quoi, pari perdu? J'ai fini deuxième. Putain, on a gagné zéro. Bien piloté, mec. Bon, on a gagné quand même 6000. Ça, c'était un Ouais. Big. Alors, là, il nous faut. Ouais, donc en fait, comme je vous disais, c'est encore les... une fois les mêmes. Tu vois? C'est encore une fois les mêmes. C'est toujours. C'est les mêmes qui ont dit que Need for Speed Heat était le meilleur. C'est les mêmes. Tu vois? On peut en parler pendant des années et des années, les gars. Si vous voulez, on en parle pendant 1000 ans. Hein. Mais c'est encore une fois les mêmes tout le temps. Alors, attention, je ne dis pas ça, les gars, pour dire oui, mais moi je mérite ma place. Non. Non. Clairement pas. Et je pense que même si on m'inviterait, j'irai pas. Alors, pourquoi? Ils vont me dire pourquoi tu irais pas? Bah, pour la simple et bonne raison, les gars. Mais ça, on sait ce que c'est la frime. On sait ce que c'est la frime, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, moi, je serais mal à l'aise. Je serais putain de mal à l'aise. Toi, je serais mal à l'aise de malade, tu vois. Bah déjà parce qu'en fait, il y en a plein que j'aime pas. Putain, mais j'arrive plus à faire les trucs. Hein. C'est. Bon, bah, même vitesse élevée, c'est un truc de ouf pour eux. Ouais, je serais mal à l'aise, moi, j'aimerais pas. Déjà, ils parleraient tous anglais, donc je ne comprendrais pas. Allez, mais. Quoi, Wipeout là? Ça aussi, c'était un jeu incroyable, Wipeout. Bon, bah, on va faire que ça, hein. En fait, je suis trop nul à ça. En plus, je crois que je suis sur peut-être une 4 roues motrice en plus. Je sais même pas si c'est une 4 roues. Normalement, gonflant. Ouais, je sais. Ils m'ont dit de faire 4000, de toute façon je m'en branle, on va faire 4000 hein. Attendez, on va faire un truc. Attendez, attendez, attendez. Ouais, mais je peux pas. Je peux pas avec la soube. En fait, c'est impossible avec la soube de faire quelque chose de propre, tu vois. Ah, c'est impossible, boomerang. C'est quoi un boomerang? Putain. Putain, mais que je suis trop nul. Putain, je suis trop éclaté dans ce mode. Oh non! Et dire qu'on avait fait 19 000. La dernière fois? Incroyable ça. Oh là là, mais je suis bon à rien dans ce mode de jeu. Oh là là. Je crois que la prochaine fois, c'est mon frérot qui y va là. Putain, comment je suis éclaté. Bon, tu me diras, on gagne 5 points. Mais bon, on gagne rien d'autre, quoi. Ça c'est vraiment nul. Ça, par exemple, c'est vraiment nul. Ce mode de jeu, oh là là, putain. C'est quoi ça? On dit, let's go.
Non, mais c'est vrai que c'est gonflant, tu vois, que ce soit toujours les mêmes. En fait, si tu veux, c'est pas le fait de pas y aller, de y aller ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce. Mais. Eh ben. L'épreuve sera fermée, vous ne pouvez pas revenir. Ah, c'est que. Ok, d'accord. Ok, on va jouer avec le débile. Bon. Lui va prendre la 2-6. Voilà. Mais toi, comme je disais, en fait, c'est toujours les mêmes. C'est tout. C'est toujours les mêmes. Et peut-être c'est les mêmes suceurs, en fait. Tu vois, c'est des petits suceurs. On peut parier là contre notre frérot, non? Non, on peut pas parier. Parier avec pilote. Vas-y. Parier. Bon, non, en fait, personne ne veut parier. En fait, ils ont peur, en fait. Ah si, on va parier avec le Biggie. Tu veux donner à Big. Ouais, je vais. Oh putain, par exemple, ça c'est Bon, ne 305... prends pas. 300 Z, elle est incroyable. Oh. Allez, mon vieux Biggie, on se met, hein, on se remet ça. Hein. Mais ouais, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la pantoufle. Tel mec qui suce tout le monde, qui machin. Tous les jeux sont exceptionnels. mais bon. Je trouve ça un peu dommage, tu vois. En fait, ils apprendront jamais, en fait. Passé cinquième. Ah bah t'es bien, t'es passé cinquième, mon frérot. Et bah on est très content pour toi. Ces mecs sont dangereux. Voilà où tu es en train de pleurnicher. Je suis dernier. Hé, taré! On peut pas le virer le mec avec nous, réel. On peut pas le virer. Non, je suis sûr qu'il est dernier là. T'es sixième. Vas-y. C'est quoi QW? J'ai peur d'appuyer sur le clavier. C'est pour prendre le compte. Merde. Mais qu'est-ce que je fais? Attends, on va essayer. Oh merde. J'ai passé cinquième. Ah, il est passé cinquième. Ça y est, il se bouge le cul, les gars. Il se bouge le cul, les cinquièmes. Pour le moment, on gagne. Oh putain. Nouveau tour. J'ai trop peur de regarder, d'appuyer sur les touches là. Ça se trouve, il va prendre le truc de la soupe, il va tout niquer. Le contrôle de la soupe et basta. Oula. Regarde-le, mon vieux Biggie. Putain, mais je traîne tout le temps avec la gâchette là. En fait, si ça va, en fait, la soupe, elle est. Je disais que c'était une merguez, mais en fait, ça va. Quand tu la prends bien en main, ça va, en fait. Mais comment il casse les couilles là, notre collègue là? Il veut pas passer cinquième là parce qu'on va perdre. Là on a perdu, hein, très clairement. Hein. On a perdu parce qu'il est nul. S'en bat les couilles. Il n'y a qu'un truc que j'aime pas dans ce jeu, c'est les dialogues. Les dialogues sont.
Oula. En plus, il va me faire perdre de la rep, tu vois. Et ça m'énerve parce que moi, j'y peux rien. Moins 25 de rep, t'es. Tu vois? Non, ça marche pas! En fait, ça marche pas, QW. Je pensais que ça marchait. Ça m'aurait arrangé. Ça m'aurait arrangé. Ça, c'est vraiment le. Ça, c'est tu t'as toujours un mec comme ça dans la bande, tu vois. T'as toujours un couillon. T'es qui pense être mieux, mais qui est nul. T'as toujours un mec comme ça. Toujours. Quitter la course et finir derrière. Hein? Quitter la course et finir dernier? J'ai fini. Ah, ok. Fallait attendre l'autre débile. Bah ouais, du coup, bah voilà, on l'a dans le cul. On l'a dans le cul. Et sans rancune, j'espère. C'est l'autre qui me fait perdre la thune, quoi. Vito a amélioré son pilotage. Mais Vito, Toi, Vito est un il faudrait fils de la bien pute. t'occuper. C'est T'es un tout. vrai. C'est Vito. Il dit, s'il te plaît, l'autre, il a un nom de camion, quoi. Il a un nom de fourgonnette. Putain, mais ça me met la haine, ça, de perdre la thune comme ça. Respect insuffisant. On va faire un petit truc pour nous, tu vois. Circuit, sprint, un petit sprint. Par exemple, ça me met la haine là pour le Vito là. Putain, comment. Faut que je reparie un peu de thune là. Respect. Super. Alors. On va faire 3K. Ouais, je vais. Après, j'ai pas mis beaucoup, tu vois, là on est à 1000, ça va me faire 4000. Ouais, je vais gagner un peu de thunes, là, tu vois, mais. Et voilà, Clio les plus légères, les gars. Par exemple, j'avoue que sa petite Civic m'intéresse drôlement. Et il finit quand le drag là? Il a goût à péter les soupapes là. Hein. Allez, let's go. Jamais douter de sa Clio. La fiabilité, les gars. C'est comme ceux qui disent toujours, ouais, Renault. T'es bon, les gars, en J'avais un fait, chapeau, je te je pars saluerai. du principe que du moment que t'as un truc à moteur, il peut tomber en panne. Alors oui, des fois, t'as des marques, elles sont pas non plus fofolles en termes de durabilité, de toutes ces choses-là. Mais il y a des moments, j'ai limite envie de dire, mais attends, des mecs, quoi. Ouais, mais c'est de là. Ils ont jamais conduit en Renault, t'es. Jamais. Jamais ils ont conduit de Renault, jamais machin. Jamais. Hein. T'es, ils se permettent de juger, quoi. Moi, je peux me permettre de juger, tu vois. J'ai déjà conduit une Renault, machin et tout. En fait, moi, j'ai aucune différence. En fait, moi, je m'en tape le cul. Sincèrement, en fait, je Et m'en brise fous. le son. Totalement, en fait, des délires entre anti-Renault, des machins, c'est rigolo, tu vois, vite fait. Mais je m'en tape, en fait. Je m'en Sacrée course. carre l'anus, T'as fait quoi. fort, mec.
tu veux miser une caisse, tu seras le bienvenu. T'es un vrai requin quand l'enjeu t'intéresse. Il a quoi comme caisse là, le. L'autre là? Le cube là, il a quoi? Ça peut être intéressant. Mais on l'a pas? Putain, j'ai cru que je l'avais dans ma liste d'amis. Merde. Pourquoi? En fait, pourquoi? Je peux pas. Mais c'est bizarre, en fait. Pourquoi on... participer? Mais c'est... Ils voient bien que c'est impossible à notre... Ah, année 1. Ah, après le calendrier va tourner, bah bien évidemment. La frime! Attends, n'y fais pas. Oh bah les couilles, quoi. Public seulement? Pourquoi public seulement? Ah, parce que j'ai pas assez de rep. Ah, d'accord. Non. On va partir avec la Clio en frime. On va tester la frime avec la Clio, ça se trouve, je suis meilleur. Vitesse élevée, manœuvre bonus. Vas-y, hein. Incroyable. Allez. Je suis vraiment trop... Non mais en vrai les gars, je suis trop nul. Je suis rincé. Je suis trop rincé dans ce jeu. Dans ce mode de jeu. Voir tout court. Hein. Oh non. J'avais le x4. Putain. Oh là là. Ça c'était beau ça. Ça c'était pourtant beau ça. Oh putain, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, les gars. Quoique j'y arrivais peut-être mieux avec la... C'est vrai qu'on y arrivait peut-être mieux avec la 206. Hein. Du moment que ça fait des points, moi ça me va. Tu vois même plus la voiture. Après, ouais, les gars, je vous avais dit, je vais sûrement réfléchir à quitter le partenariat que j'avais qui est. Parce qu'en fait, il s'est passé un truc avec World. Bon, ceux qui savent pas, Speedo, etc., etc. Et en fait, je suis pas du tout, en fait... Oula. Je suis pas du tout d'accord avec en fait ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu mettre en demeure et ne fait. Oh non! Attention, comment on met la marche arrière? L'autre fois j'avais trouvé. C'est pas grave, ça roule comme ça, on y va. En fait, ils ont mis comme quoi ils devaient. Entre guillemets, enlever leur nom de nanani. Bref, je vous en ferai peut-être une vidéo assez spéciale là-dessus. Mais en fait, le truc, c'est que de base, moi je suis partenaire Codemaster qui s'est fait racheter par forcément EA, donc du coup, je suis passé partenaire EA. Mais je vais vous le dire honnêtement, moi ce que je pense en fait de tout ça, c'est que en fait, EA, ils veulent. Que des mecs de chez eux, tu vois. C'est eux qui ont été les chercher. Et les mecs comme moi, en fait, ça les intéresse pas. Déjà, moi, je suis un enculé, je bave sur tout le monde, tu vois, sur tout ce qu'ils font. Ah, allô. Attends, il a rentré des caisses géniales. Et on va voir, hein. En vrai. En vrai, concession.
Regardez la manette, les gars. Oh putain, une couronne. Oh. Je l'avais pas vue celle-ci. Elle y était pas, les gars, il me semble. Hein. Ça, comment je kiffe. Comment je kiffe une couronne ouvert 6. Putain, mais comment j'ai mal aux épaules, putain. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre plus haut? Ok, donc ça on avait déjà. Ouh, petite lanceur, ok. Ok, SRT4. Autrement appelé, je crois, les Dodge Néon. Il me semble que ça doit être ça. Ok, RX8. RX7, ok. C'est sous. Alors, c'est sous ma roue là, les gars, j'avais un peu du mal hein, quand même. Alors là, une Prédia, qu'est-ce que c'est? En fait, j'aimais pas leur phare rond. Manacro, Manaro. Putain, je m'y ferai jamais. Hein. Ah, mettez ça au pelle là où je sais plus comment. Bref. Là, par exemple, ça commence à causer là. Ouf. Ouf. Et ça coûte pas si cher en fait des voitures level 6 et tout, hein. Ça, on l'avait déjà. La Dodge Charger, ok. Bon. Ok, ouais, bon, il n'a pas rentré non plus du lourd-lourd, quoi. C'est pas non plus incroyable, frérot. Pourquoi public seulement, vas-y. Regardez la course. Mais non, non! Pourquoi? Ah ouais, on peut parier sur eux. Attendez, attends, attends. Sur qui on peut parier quoi? Bah, si on suit au nombre de chevaux, tu vois qui le fait plus chier, c'est la soupe. Hein. Oh putain, on peut pas miser sur eux. Je suis désolé les gars, je commence à bailler, c'est que je suis un petit peu avec l'attaque. Vas-y, tu sais quoi, on parie la moitié de ce que l'on a. Mais attends, c'est une course de combien aussi? Elle va pas durer non plus 1000 ans la course. Hein. Parce que si la course elle fait 500 tours, nous voilà pas rendus. Hein. C'est quoi? C'est un sprint, c'est quoi? Vas-y, roule là. 3 tours. Bon, déjà ça commence mal. T'as la Cura, quelle voiture aussi ça, putain. Comment j'aime. Aïe! 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 Ah, mais c'est comme ça que ça conduit derrière moi? Incroyable! Eh, faudrait peut-être envoyer un peu de jet là. Que j'ai 4000 balles sur ta gueule, moi. Oh là là, ce carnage! Oui, en plein vire. Oui! Ah bah bravo! Ah ben, c'est les mêmes bottes que Need for Speed, non? Ou Forza Horizon? Non, pas Forza Horizon, The Crew. Bon, on a perdu notre putain de pari là. Putain, on a perdu le pari quoi. On n'a même pas joué et on perd le pari.
Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, tu utilises tout ton os là, ouais. Ouais. Putain, on a perdu notre pognon, quoi. Nous, on peut pas se barrer de ça, là? Abandonner la course. Vas-y, moi, j'abandonne. Vas-y. On m'en fout de la mise. De toute façon, la mise, elle était perdue. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Putain, il me... Ah, vas-y, putain, ça m'énerve, là. Cash insuffisant, public seulement. Mais niquez vos mères, vous aussi. Mais comment ça se fait, là, que tout... J'ai des trucs, je peux pas les faire. C'est quoi, ça? Pourquoi? Pourquoi je peux pas? Ça m'énerve. Cash insuffisant. Vas-y, nique ta mère en même temps avec ton cash insuffisant là. C'est quoi? Vous voulez du cash? On va parier avec du cash là. Mais non, on peut pas parler de cash. Circuit, 5 tours. Mais attendez, attendez, attendez. Ok. Ah, ça y est, gain proto. Ok. Ça y est, c'est ça qui nous intéresse. C'est cher. Ouais, c'est cher. Enfin, ça te paraît. Mais là, il n'y a pas de test level 3. Moi, je comprends pas. En même temps, je suis éclaté là. Je comprends rien du tout. Bref. Vous savez quoi, les gars? On va s'arrêter là parce que je sens que je commence à être fatigué. Je vais aller me mettre en boule dans mon canapé. Canapé. Et puis voilà. En tout cas, c'était un peu plus court que d'habitude, hein, les frérots. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé le let's play jusqu'à la fin. Alors, je serai en meilleure forme pour le prochain, vous inquiétez pas. Normalement, il y aurait pas dû avoir pas mal de changements par rapport à. Il y aurait dû avoir beaucoup de trucs qui auraient dû se passer début de semaine, mais du coup, là, bah, c'est un peu râpé, donc ce sera pour début de semaine prochaine. Et puis voilà. Mais en tout cas, merci à tous. Hein, je vous promets bien le retour des lives, etc. Les gars, mais attendez que je sois rétabli. Normalement, ça aurait dû être cette semaine, mais attendez que je sois rétabli. C'est la seule chose que je vous demande. Enfin bref. Les frérots, merci à tous. Et puis, on se retrouve bah, demain pour une nouvelle vidéo. C'était JCK.